Ladies and gentlemen, please welcome on stage the president of the FIFA Association, Mr. Mathieu Fleury. Vous savez que je suis assez sensible à la musique, alors si je peux encore abuser un petit peu de notre artiste, j'ai toujours rêvé de pouvoir parler avec un fond musical. Donc si tu arrives à me faire quelque chose d'un peu comme ça, pour les salutations officielles. Madame la Présidente du Conseil national, Monsieur le Président du Conseil d'État, Messieurs les conseillers d'État, Mesdames les conseillères nationales, Messieurs les conseillers nationaux, Monsieur le conseiller aux États, Madame la Directrice de l'Office fédéral de la culture, Monsieur le syndic, Monsieur le Président du Conseil général, Madame et Monsieur les représentants des autorités communales, Monsieur le directeur général de la SRG-SSR, Monsieur le directeur de la Radio-Télévision Suisse, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Monsieur le président du Locarno Festival, Mesdames et Messieurs les représentants du cinéma, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, chers amis fidèles du FIF. C'est un grand honneur et un vrai plaisir de pouvoir contribuer désormais à la destinée d'un des vaisseaux amiraux de la culture fribourgeoise, même si je n'ai pas encore pu faire un tour d'horloge complet, puisque cela ne fait qu'une demi-année que je suis en poste. Il y a quelques mois, j'ai ainsi eu l'immense chance de recevoir un festival en pleine forme et au potentiel intact, et j'exprime aujourd'hui toute ma gratitude et ma reconnaissance sincère à la direction artistique, Thierry Jobin, notre Orson Welles à nous, à l'appétit d'ogre en matière de pellicule et à la générosité sans borne pour les partager, lui dont le talent s'est vu jusqu'à Locarno, et j'espère que nos amis tessinois ne sont pas venus nous le piquer ce soir. À la direction administrative, Madeleine Descloux, cheville ouvrière de la réorganisation de notre fonctionnement et artisane d'une bonne partie de nos succès en matière de recherche de fonds, ainsi qu'à mon prédécesseur François Nordmann, la finesse et l'élégance incarnées, et à tous les membres du comité du FIF pour le courage et la ténacité, mais aussi la passion dont ils ont fait preuve pour traverser les épreuves et renouer avec le succès. Und ich möchte Ihnen sagen, wie sehr ich den Elan und den Kompetenzen der außergewöhnlichen Equipe des FIFs bewundere. Sie ist jung, mehrheitlich zweisprachig und zu einem großen Teil Frauen. Und sie erst machen das FIF jedes Jahr möglich. Es ist jedes Mal ein kleines Wunder, für das euch ganz Freiburg dankt. En ajoutant à tout cela l'énergie et les idées fraîches des cinq nouveaux membres qui viennent de nous rejoindre au comité, je suis sûr que nous allons faire des étincelles, que dis-je, des feux d'artifice. À l'heure des images omniprésentes, déversées sans sens ni distance au travers des grands tuyaux des réseaux mondialisés, nous devons et voulons faire preuve d'innovation et d'imagination pour continuer à faire entendre notre voix originale et donc essentielle dans ce vaste brouhaha. Mais nous devons et voulons également rester fidèles à l'héritage humaniste des pionniers fondateurs qui ont vu avant tout le monde que les films nous permettaient de découvrir ou redécouvrir la beauté de la Terre, de rencontrer ses habitants et de comprendre leur façon de voir la vie. A volte, la distanza non si trova esattamente dove noi pensiamo che essa sia. E questa sera sono molto felice e onorato di poter contare sulla presenza di una rappresentante di quella Svizzera italiana o latina, così vicina e poi, eppure così lontana,
che troppo spesso noi romandi tendiamo a dimenticare. Il più cordiale benvenuto dunque alla prima cittadina svizzera, la signora Carobbio, che ringrazio molto per aver accettato il nostro invito. Siatene certa, il viaggio ne varrà la pena. Le FIF veut et peut être un tremplin pour un autre cinéma, exigeant et hors de tout formatage, qui raconte toutes les facettes de notre humanité, sans en craindre la laideur, ni en oublier les splendeurs. C'est cet engagement et cette exigence qui nous permettent de bénéficier depuis nos origines du soutien financier et de la confiance de la DDC et de l'OFC qui nous assure une forme de sécurité ô combien appréciable. J'ai parlé de sobriété heureuse pour définir notre cher festival, car s'il n'oublie pas la part de rêve qui nous fait tous tant aimer le cinéma, il préférera toujours le plaisir pur et sans pareil de se mettre des images plein les yeux à l'esbrouf et aux paillettes que nous laissons à d'autres clinquants rassemblements sur tapis rouge. Permettez-moi cependant de faire violence à la proverbiale modestie fribourgeoise en affichant l'ambition, que je crois réaliste, de trouver une place pour le FIF sur l'échiquier mondial des festivals qui comptent pour les cinéphiles. Ce rayonnement international est possible car nous pouvons le construire sur une implantation solide de notre festival sur son territoire, ici, et sur son caractère profondément populaire au sens noble du terme. Je rappelle si besoin que le FIF réussit depuis quelques années le joli défi de rassembler plus de spectateurs que la ville de Fribourg ne compte d'habitants. Zudem dürfen wir uns über ein immer breiteres und gemischteres Publikum freuen, weit ab vom Bild des elitären Festivals, das uns manchmal vorgehalten wurde. Und ich bin stolz, Ihnen verkünden zu können, dass das FIF in Bezug auf den Altersdurchschnitt das jüngste Festival der Schweiz ist. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle auch ein nobles und gleichzeitig unverzichtbares Ziel verraten, das wir uns gemeinsam mit dem Freiburger Kino gesetzt haben. Wir wollen dafür sorgen, dass auch das ganze Jahr über eine neue Generation von Kinofans heranwächst. Ein neugieriges, hungriges und kritisches Publikum, denn ohne Publikum kein Kino. Le succès public, qui est la plus belle des récompenses pour notre équipe, a une conséquence heureuse. L'arrivée de nouveaux soutiens et sponsors et l'augmentation de l'aide de nos soutiens fidèles. Je me permets une petite entorse à l'égalité de traitement que nous garantissons à nos sponsors en dévoilant ici que cette soirée et son apéritif, malheureusement encore assez lointain à l'heure où je vous parle, tout comme la soirée de clôture, nous ont été généreusement offerts par Crémo, un des piliers de l'identité gastronomique fribourgeoise. J'exprime ici mon respect et mon admiration pour le travail de mes prédécesseurs, grâce à qui le montant des soutiens a été multiplié par 6 en un peu plus de 10 ans. Vous imaginez sans peine ce que cela peut représenter comme travail de longue haleine en termes de création de liens de confiance avec tout le tissu économique et institutionnel fribourgeois et suisse. Ma plus profonde gratitude va à nos sponsors et subventionneurs pour leur confiance et leur générosité, et bien sûr, avant tout, au plus indispensable de nos soutiens, à vous, cher public. Au FIF, nous croyons à une mondialisation par le haut, qui veut montrer et faire aimer la beauté et la diversité de notre vaste monde, et qui refuse le nivellement par le bas, qui passe par une triste uniformisation des goûts et des représentations. Nous rejetons aussi les termes de consommation de produits culturels, vocabulaire qui m'était certes familier il n'y a pas si longtemps, mais qui n'annonce rien de bon dans le domaine artistique et culturel. Nous refusons donc aussi ce monde en noir et blanc que l'équipe de tristes cires qui sont parvenus récemment aux manettes du pouvoir au sein des grandes puissances veulent dessiner pour nous, eux, nous, les méchants, les gentils, etc. Pour le FIF, la géographie ne constitue pas une accumulation de frontières, mais suscite des envies de communauté, de rencontres, car le monde est pour nous une palette de couleurs riches et variées. Par exemple, le vert, comme l'affiche de cette année, qui nous rappelle en cette journée de mobilisation des jeunes pour le climat, l'effet papillon qui fait, qu'on le veuille ou non, qu'un battement d'ailes de papillon au Brésil peut provoquer une tempête au Texas. Savoir ce qui se passe ailleurs, c'est donc aussi comprendre ce qui se passe ici. Sans spoiler le contenu de l'apéro à venir, je me permets de dévoiler ici que le vert est aussi la couleur du mojito. Red, which is the color of the passion that moves mountains and that animates men and women who brings our festival to life with their films. Films that intrigue, or rather, that create a feeling of closeness, showing us that telling story is the most beautiful way of
writing history with grace and fantasy. Sous forme de clin d'œil, je signale que le rouge n'est par contre plus la couleur de nos finances et qu'on compte bien que cela reste ainsi. Le jaune, comme ce péril jaune, expression dont il était question à la fin du 19e siècle, et qui était l'expression de la peur de l'Occident, mais aussi de sa fascination face au développement de l'Asie. La peur et le rejet ne sont jamais bonnes conseillères, et on voit que la culture et la connaissance restent les outils les plus efficaces pour combler les fossés qui nous séparent et pour ne pas laisser nos peurs nous faire oublier l'évidente communauté de destin qui nous lie à nos semblables. Y a-t-il un meilleur moyen de faire naître la fraternité que de voir à l'écran l'autre rire, aimer, pleurer, bref, vivre? On peut aussi voir à quel point le FIF était en avance à ses débuts, puisqu'il faisait découvrir un cinéma asiatique alors encore balbutiant, et qu'il montre aujourd'hui des œuvres, par exemple sud-coréennes, dont l'immense succès populaire ne peut que nous faire rêver ici en Europe. Enfin, je terminerai avec le bleu, celui de ces mers qui nous séparent, mais aussi qui nous lient, comme nous le montre le drame des migrants qui est vécu dans cette Méditerranée, pour nous si familière et synonyme de paisibles voyages estivaux. Ce bleu, c'est aussi celui du ciel, qui nous appelle comme le FIF à relever la tête et à ouvrir les yeux. Ce bleu est donc pour moi source d'optimisme et de confiance dans l'avenir, et je fais du beau titre d'un film de Fred Astaire ma devise « Only the sky is the limit ». Un bon scénario pour le FIF que je me réjouis d'écrire avec vous, et je vous souhaite de belles émotions avec le FIF 2019. Merci. Thank you, Mr. Fleury. Sehr geehrte Damen und Herren, bitte heißen Sie den Präsidenten der Stadt Freiburg, Herrn Thierry Steyert, willkommen. Mesdames, Messieurs, les salutations officielles ayant été prononcées, je me permets de vous saluer collectivement au nom de la ville de Fribourg qui est fière et heureuse de pouvoir vous accueillir pour cet événement phare de notre agenda culturel. Est-ce que le cinéma peut changer le monde? Maintes fois posée, cette question ne relève pas des sciences exactes et nous pouvons y répondre à notre guise. Oui, non ou peut-être. Dans tous les cas, nous savons que le cinéma a le pouvoir de nous ouvrir les yeux et l'esprit, de nous inciter à la réflexion, tout en nous divertissant. Un de mes amis, qui a l'esprit non pas mal tourné, mais un peu manichéen, distinguait les films en deux catégories. Les bulles de savon, c'était un Saint-Ginois, il disait ce feblatra, que notre mémoire efface, les bulles de savon, donc que notre mémoire efface au moment de quitter la salle, et puis ceux qu'on n'oublie jamais, qui restent toujours présents ou qui ressurgissent au moment opportun. Ce sont ces films qui peuvent, toute proportion gardée, changer le monde, ou du moins notre façon de voir le monde et d'affronter ses défis. Le FIF présente des films qui appartiennent essentiellement à la deuxième catégorie. Et il apporte ainsi depuis plus de trois décennies une contribution précieuse à la vie culturelle de notre ville. Es ist ein natürliches Bedürfnis der Menschen, die Welt in Gut und Böse zu unterteilen. Und es gibt deshalb eine reichhaltige Kinoproduktion, die diesem Bedürfnis entgegenkommt. Das FIF zeichnet sich dadurch aus, dass es vorwiegend Filme zeigt, die dieses Schwarz-Weiß-Bild in Frage stellen, die uns Geschichten erzählen, die wir nicht immer sehen wollen, die uns aber zum Weiterdenken animieren. Es sind oftmals Filme, dank denen wir unser eigenes Tun und Denken hinterfragen und die uns dabei weiterhelfen, unser Leben mit all seinen Widersprüchen und Ungerechtigkeiten bewältigen zu können. Dass unsere Stadt alljährlich ein Festival von solcher Qualität und internationaler Ausstrahlung empfangen darf, verdanken wir einerseits seinen visionären Gründerinnen und Gründern, die sich im Jahr 1980 in dieses Abenteuer gestürzt haben, und andererseits jenen Enthusiasten, die diesen Anlass heute noch weiterführen und die die Stadt Freiburg für die Dauer einer Woche in eine Filmstadt verwandeln. Ihnen allen möchte ich im Namen des Gemeinderates für ihr Engagement danken. I would also like to say a few words to our guests who have come from all around the world for sharing their work and their emotions with us over the coming week.
I heard that some guests come to Fribourg for the relaxed and friendly atmosphere and for the informal get-togethers where lifelong friendships are sometimes forged. The reason why the leading lights of international cinema converged in Fribourg is its reputation as a hospitable and unpretentious city. Thierry Jobin himself declared that the FIF proves it is possible to organize a festival without barriers between the public and our guests. This unique feature of the FIF certainly owes much to the relatively small size and the omnipresent humanist culture of this university town. Perhaps that is what sets the FIF apart from other film festivals. By telling us stories that are sometimes sad, sometimes disturbing, but sometimes amusing too, you allow us to broaden our horizons, to question ourselves, and help make ours a better world. We once again thank you, the guests, the organizers, the film programmers, and volunteers for helping to make the Fribourg International Film Festival a resounding success. Fribourg, avant tout une ville universitaire et une ville historique, est aujourd'hui, grâce au FIF, une ville bien présente sur la cartographie internationale des films, des villes du cinéma. Et je saisis donc l'occasion d'adresser nos vifs remerciements à toutes les personnes qui œuvrent sous les projecteurs et dans l'ombre pour nous offrir la magie du cinéma durant toute une semaine. Je vous souhaite une excellente édition 2019 et que vive le FIF. Herr Steyert, wir bedanken uns für diese Ansprache. Mesdames et Messieurs, merci d'accueillir Monsieur Pascal Critin, directeur de la Radio-Télévision Suisse. C'est pas banal, c'est pas toutes les fois qu'on est accueilli comme ça en musique. Je reconnais bien là les fribourgeois. Madame la présidente du Conseil national, monsieur le syndic, mesdames, messieurs qui avaient été salués en vos titres et fonctions, cher Mathieu, cher Thierry, chers amis du FIF, on me souffle dans l'oreillette, comme on dit à la télé, que le partenariat entre votre festival et la RTS fête cette année son 25e anniversaire. Alors, 25 ans, vous l'imaginez, c'est une belle occasion pour la RTS de venir ici vous saluer, pour la SSR aussi, dont je salue la présence du directeur général, M. Gilles Marchand. Et puis, un tout petit peu, si vous permettez, cette note personnelle pour moi, qui aime particulièrement Fribourg depuis que j'y ai fait mes études universitaires. 25 ans, c'est une belle occasion pour la RTS de venir donc, car le FIF, parmi les festivals que nous soutenons, occupe une place particulière. Parce que ce festival, comme il a été dit par le président du festival, est un mélange de couleurs. Parce que ce festival ouvre aux horizons lointains. Et puis qu'il jette un pont entre les cultures. Un peu d'ailleurs comme Fribourg le fait ici en Suisse, bien sûr, à cheval entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Dans un monde où l'autre est souvent perçu comme une menace, le FIF nous apprend à voir au-delà des différences. Il nous apprend en fait à déceler les passions, à déceler les désirs, les questionnements et les valeurs que nous partageons toutes et tous, quel que soit notre pays d'origine. En un mot, ce festival nous apprend et nous parle l'humanité, qui est notre ADN commun, au-delà des différences. Fribourg est une fenêtre grande ouverte sur le monde, mais pas seulement. À l'enseigne du passeport suisse, Fribourg accorde aussi à la production suisse la place qu'elle mérite. Ici, à Fribourg, vous soutenez les jeunes talents, et vous valorisez le cinéma de ce canton qui connaît, il faut le dire, un beau développement. Je pense ici en particulier à Anne Gisler, qui est à l'affiche du festival avec son documentaire La Petite Mort, et au frère Guillaume, bien connu partout en Suisse et ailleurs, qui présente ici leur dernier court-métrage. Ces deux productions, d'ailleurs, qui ont été soutenues par la RTS, s'inscrivent parfaitement dans l'action que déploie le service public depuis très longtemps en faveur du film suisse, qu'il s'agisse de fiction, de séries TV, de documentaires, de films d'animation, de web création. Voyez-vous, soutenir le cinéma suisse pour la RTS, pour la SSR, c'est pas simplement d'obéir à un article de la concession. C'est, en fait, l'expression d'une conviction. Un pays, croyons-nous, un pays ne se raconte pas seulement à travers des reportages et des émissions d'information.
Un pays ne se raconte pas seulement à travers les exploits de ses sportifs, à travers ses traditions et ses créations musicales, toutes choses que nous couvrons, que nous soutenons partout en Suisse. Un pays a aussi besoin, croyons-nous, du regard de ses cinéastes, parce qu'il a besoin de la fiction pour partager des histoires communes que nous partagerons ensuite avec les générations suivantes, parce qu'il a besoin du documentaire pour jeter son propre regard sur le monde et sur les réalités politiques, sociales et économiques. Et en fait, tout cela, voyez-vous, ça constitue un bien commun. C'est pour soutenir cette ambition, c'est pour soutenir ce cinéma suisse. Et bien qu'à l'enseigne du pacte audiovisuel depuis plusieurs années, la SSR investit chaque année 27,5 millions dans le cinéma suisse et que nous joignons nos efforts à l'Office et à ceux de l'Office fédéral de la culture, dont je salue ici la directrice, et à ceux des pouvoirs publics, tous les cantons romands en particulier et les grandes villes, à l'enseigne de Cinéforum en Suisse romande. Et c'est pour aller plus loin encore dans cette action, pour stimuler davantage de productions suisses, que nous avons décidé à la SSR d'investir 15 millions supplémentaires dans la série TV pour donner un rendez-vous hebdomadaire sur toutes nos télévisions à l'ensemble du public suisse, et cela malgré les économies que nous devons réaliser après nos bilagues du fait de la baisse et du plafonnement de la redevance. Merci donc au FIF, merci au FIF de contribuer au dynamisme de la production suisse en étant ce lieu particulier, original, de rencontre et de convergence entre le cinéma d'ici et le cinéma d'ailleurs. Et merci à vous, cher public, de partager cette ambition du FIF et la nôtre aussi à la RTS. Je vous souhaite un bon festival et une belle soirée. Monsieur Critin, nous vous remercions pour votre intervention. Signore e signori, diamo il benvenuto a signora Marina Carobu Buschetti, Presidente del Consiglio Nazionale. Mesdames et messieurs, les autorités et les invités qui ont été déjà tous salués, chers amis fidèles du FIF, mesdames et messieurs, j'ai toujours aimé assister à des festivals de cinéma. Chaque été, je passe ainsi quelques jours à Locarno pour le Festival international du film. Ce soir, c'est donc pour moi un plaisir et un honneur de participer pour la première fois à ce festival dont j'ai entendu dire tant bien. Pour sa 33e édition, le Festival international de films de Fribourg propose encore un programme riche et varié, avec des films d'une douzaine de pays, dont la Chine, la France, l'Indonésie, la Jordanie, Porto Rico et la Bosnie-Herzégovine. En plus de représenter une grande diversité culturelle et linguistique, les films sélectionnés explorent également plusieurs genres, de la comédie romantique au film documentaire, en passant par le thriller et le court-métrage. Et aborde différentes thématiques, dont des sujets d'actualité tels que la toxicomanie ou la violence à l'égard des jeunes femmes, ou encore un sujet historique, la guerre de Corée, présenté sous un jour nouveau. À mes yeux, découvrir des films de réalisateurs aux nationalités diverses, en différentes langues et présentant des facettes artistiques multiples, est une expérience d'une richesse inouïe. D'ailleurs, un festival de cinéma ne se résume pas à la projection des films. Un festival de cinéma, c'est également une offre copieuse en matière de culture et de divertissement et un événement qui rassemble non seulement la population, mais aussi des cinéphiles et des professionnels du cinéma du monde entier. L'espace d'une semaine, Fribourg sera une ville différente, plus vivante, plus cosmopolite et encore plus belle, si tant que cela soit possible. Dans le contexte d'un festival de cinéma, l'expérience de s'asseoir dans une salle de cinéma et d'assister à une projection, prend une toute autre dimension que l'accoutumée.
C'est aussi l'occasion de réfléchir à la condition humaine. Ainsi qu'à des notions telles que la justice et la paix, la pauvreté et la richesse. Il se crée une sorte de dialogue entre cultures, entre pays du Nord et pays du Sud, qui permet de considérer le monde dans son ensemble et d'élargir son horizon, de porter un regard sur d'autres pays et d'autres réalités sociales, afin de nous rappeler à quel point le monde lui-même représente une extrême variété et que c'est précisément cette variété qui le rend beau. À une époque où certains remettent en question valeurs telles que le respect mutuel, j'estime qu'il est essentiel de le souligner. De ce point de vue, je suis très heureux qu'il y ait aussi en collaboration avec Comundo, une organisation non gouvernative qui s'occupe du sud du monde et qui se concrétise sous la forme d'une jury des jeunes. Il est essentiel de sensibiliser les nouvelles générations à la diversité du monde et aux problèmes qui connaissent certaines régions du monde. Ce n'est qu'ainsi que nous formons des citoyens conscients, solidaires et dotés d'une vision globale. La valorisation du multilinguisme et la promotion des minorités linguistiques et culturelles font partie des thèmes phares de ma présidence du Conseil national. En Suisse, comme dans les festivals de cinéma, plusieurs langues, cultures et religions se côtoient avec succès. La ville de Fribourg illustre d'ailleurs très bien cette réalité. C'est précisément cette diversité qui fait de la Suisse ce qu'elle est. Nous sommes plus que la somme des différents composants de notre société. Nous sommes à la fois différents et semblables. Pour toutes ces raisons, c'est pour moi un grand honneur d'être parmi vous ce soir et de pouvoir m'exprimer à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de ce festival qui repose sur des valeurs que j'ai toujours défendues dans le cadre de mon engagement politique et en cette année de présidence. Je vous remercie encore une fois donc pour l'invitation. Je vous souhaite une agréable soirée et vision du film et surtout un bon succès pour votre festival. Merci. Grazie signora Carobbio Guscetti per il suo discorso. Enfin, pour lancer la première projection de ce FIF 2019, merci d'accueillir le directeur artistique du festival, monsieur Thierry Jobin. Merci Lionel Chapuis, mesdames et messieurs. Je le fais d'autant plus applaudir que dans la playlist qu'il avait proposée, il y avait aussi Michel Strogoff. Vous vous souvenez qu'il devient aveugle dans la série. Merci beaucoup d'avoir choisi autre chose pour moi. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bonsoir, mesdames et messieurs. Good evening, ladies and gentlemen. Dear filmmakers, dear guests. Et quand je dis invité, je devrais dire invité, parce que ce soir, par hasard, la quasi-totalité de nos invités sont des invités, des femmes d'un courage immense que j'aimerais juste saluer avant de continuer mon discours et prolonger un tout petit peu l'attente avant le film. J'aimerais saluer Madame Ramatou Keïta, première membre du jury qui est arrivée cet après-midi. J'aimerais saluer, qui est arrivée de Los Angeles pour représenter la section Nouveau Territoire et représenter Haïti, Getty Félin. Et j'aimerais saluer pour représenter la section dont on est si fier, Noir n'est pas mon métier, tiré du livre que vous connaissez,
Je vous demande d'accueillir très chaleureusement mesdames Mata Gabin, Maïmouna Gay, Marie-Philomène Ga, Sabine Pakora et Magadja Silberfeld. Elles sont là-bas. Merci Magadja de m'avoir tant aidé à faire cette belle section. My dear colleagues from the Swiss festivals to all these wonderful Swiss festivals, thank you Martine Chalvera from Vision du Réel in Nyon. J'ai vu qu'ils venaient de recevoir leur catalogue pour la prochaine édition. Grazie mille Marco Solari, Presidente di Locarno Festival. And thank you all the others too for being here. I don't know if our Swiss population realize our chance to have so many beautiful film festivals in our country. C'est vrai, la Suisse est un pays où l'offre culturelle est absolument exceptionnelle, en qualité comme en quantité, et je suis convaincu que cette activité culturelle, ce dynamisme extraordinaire, est l'une des principales origines de la paix sociale qui règne dans notre pays, de la qualité de notre vivre ensemble. Il suffit de voir comment les Suisses plébiscitent ces festivals, nos festivals, ils ont soif de diversité, et j'ose croire que cette soif, cette magnifique curiosité, répond à un besoin, celui de mieux comprendre le monde et les autres, ça a déjà été dit. La culture n'est pas la cinquième roue du char, comme on l'entend souvent. La culture, c'est le gouvernail d'une nation, c'est son volant, c'est son guidon, c'est elle qui peut faire passer des idées politiques ou économiques dans la population. Je pense particulièrement à des idées de tolérance, d'ouverture et d'innovation. Pour nous au FIF, qui nous confrontons toute l'année à des films de pays où les artistes créent parfois au péril de leur vie, toute personne qui met l'importance de la culture en doute s'oppose à ses idées et au bien-être ensemble. Oh, bien sûr, le lien social repose aussi, et en Suisse aussi, pour une part, sur l'hypocrisie sociale. Elle est très présente dans le film que vous allez découvrir dans quelques instants. Ça vous fera souvent rire. Et j'en suis parfois moi-même un vrai représentant. Hier muss ich auf Deutsch sprechen. Je vois que des gens s'en souviennent. Ich habe letztes Jahr gesagt, dass meine nächste Rede vollständig auf Deutsch sein wird. Heute ist meine nächste Rede. Und ich eine. Entschuldigung, ich bin so schlecht. Und ich habe meine Versprechen nicht gehalten. Es tut mir leid. Im letzten Jahr habe ich 2500 Filme mit englischen Untertiteln gesehen. Es hilft nicht für Deutsch. J'ai donc fait preuve d'hypocrisie sociale. Oui, je sais, c'est mal. Mais attendez un peu, on va faire un petit test tous ensemble. Je ne vous vois pas très bien, mais je vous verrai quand même. Je vous prie de lever le bras très haut si vous vous sentez concerné. Qui achète parfois des vêtements neufs à 10 francs? Alors vous mentez, là. Ok, maintenant la question complémentaire. Qui est scandalisé par le travail des enfants? Ok, bon, ça va. Deuxième question. Qui répond au téléphone quand il sonne dans le train? Ah, ne mentez pas, s'il vous plaît. On n'a pas dit hypocrisie ce soir, on est au FIF. D'accord? Et qui s'énerve dans le train quand un voyageur parle trop fort au téléphone? Ok, une petite troisième juste pour la démonstration. Qui adore recevoir des lettres écrites à la main? Tout le monde. Qui a écrit une lettre à la main au cours de la semaine dernière? Ok, trois personnes, bravo, merci. Vous voyez le problème, c'est mal. Pensez-y, par exemple, quand la paix reviendra après la projection, quand quelqu'un dira quelque chose de stupide à votre avis et que vous ferez le point dans votre poche, ben on s'appuie beaucoup sur cette hypocrisie sociale. Ça me fait penser à quelque chose que le cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho m'a dit quand je l'ai rencontré pour la première fois en 2013. Vous savez, Bong Joon-ho, l'un des plus grands cinéastes actuels, qui ne pourra pas être parmi nous pour accompagner sa carte blanche. Et on le regrette énormément. Alors j'ai envie de raconter cette histoire comme si c'était lui qui l'a racontée. Je ne vais pas la raconter en coréen, parce que je parle encore plus mal le coréen que l'allemand. Donc 2013, je suis au festival de Busan en Corée du Sud. Je suis invité à une fête qui suit la première de son film Snowpiercer. À un moment, tout le monde va au bar et je me retrouve seul, assis sur un canapé devant une table basse. Et en face de moi, Bong Joon-ho. J'adore tellement son cinéma que c'est comme si j'étais en face de Orson Welles. C'est comme, bon, ça m'arrive quand je me regarde dans mon miroir, d'après mon président. Alors, je lui dis, mais vous êtes Bong Joon-ho. Et il me dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Je balbutie, je m'occupe d'un petit festival en Suisse, Fribourg.
Et là, à ma surprise, il s'exclame « Je connais le festival, je connais Fribourg ». J'ai dit « Non, je sais que c'est un blagueur ». Il me dit « Oui, absolument, j'étais en vacances à Fribourg l'été dernier avec mon épouse, c'est pas des blagues. Hein. On s'est baigné dans la Sarine et on a fait du vélo à gruyère ». C'est vrai, hein, c'est véridique. Sur le coup, je suffoque, un de mes cinéastes préférés a passé ses vacances à Fribourg, je l'ai peut-être même croisé, il n'est pas venu manger chez moi. Et là, Bong Joon-ho me dit « Tu sais, c'est très intéressant la Suisse. Chez nous, en Corée du Sud, on a été envahis par le Japon, on a connu la guerre, nos familles ont été coupées en deux au moment de la partition, on a peur que les leaders du Nord pressent sur le bouton rouge, on a vécu une dictature militaire jusque dans les années 80, etc., etc., etc. » Alors, nous exprimons tout très fort, ça se voit dans notre cinéma. Nos comédies vont très loin dans le grotesque, nos films d'horreur sont vraiment effrayants, et même dans la vie, on est un peu fou. Et là, il s'interrompt, il reprend un verre, un schluck de son whisky, et il me dit « Mais vous, en Suisse, qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce calme, ce respect, cette gentillesse ?» Et il me dit « Tu sais, Fribourg m'a fait penser à la scène d'ouverture de Blue Velvet de David Lynch. » Est-ce que vous voyez ce que c'est? C'est des petites maisons avec des petits jardins bien coupés. La caméra s'approche d'un des jardins. Il y a un homme qui est en train d'arroser son herbe. Et tout à coup, il a une crise cardiaque, il tombe. La caméra descend. Elle va tout près de l'herbe. Elle descend sous l'herbe. Et qu'est-ce qu'on voit sous l'herbe? Des insectes grouillants. Dégueulasse. Et là, Bong Joon-ho, il me dit, il me semble qu'en Suisse, on pourrait faire le meilleur film d'horreur du monde. C'est vrai, c'est véridique. Alors, voilà de quoi donner des idées à la RTS, par exemple. Jean-Pascal, je tiens le numéro de portable de Bong Joon-ho à ta disposition pour un prochain projet. Soyons sérieux pour la fin. Le FIF est, parmi les grands festivals suisses, celui qui présente le moins de films. Une centaine, c'est 50%, 100%, voire 200% de moins que les autres. Ça peut paraître peu, voire frustrant parfois quand le costume est un peu serré, mais c'est un atout. Un atout en termes de programmation. On est obligé d'aller à l'essentiel, à l'os, pour offrir au public ce qu'il attend du FIF et ce qui fait notre spécificité, quelque chose qu'il ne connaît pas encore. Des films sélectionnés sans calcul, avec les tripes et le cœur plutôt qu'avec la tête, ça exige de l'équipe de programmation, que je remercie, une sincérité à 100%, sans faux prétexte, sans hypocrisie, parce que le cinéma qui nous intéresse ici, au FIF, ne supporte pas la dissimulation, la duplicité, la fausseté, les simagrées, le m'as-tu vu. Et ce miroir qu'il nous renvoie fait tout tomber. Vous le verrez si vous allez voir plusieurs films pendant le festival. Il fera tomber nos petits préjugés, nos petits racismes inavoués, nos petites hypocrisies. Passons au film. Le film que vous allez voir à présent parle un peu, beaucoup, passionnément à la folie de tout cela. Il s'agit du deuxième long métrage d'une jeune cinéaste chinoise, Su Lun. C'est un film commercial. Près de 100 millions de Chinois l'ont vu et adoré. Et comme l'a dit mon nouveau président juste avant, 100 millions de Chinois, et moi. Enfin, pour ceux que vous connaissez, Jacques Dutronc. Parce que les Chinois l'ont adoré, parce que c'est surtout un film commercial d'une inventivité folle qui parle de l'évolution du monde au cours de ces 20 dernières années, pas seulement de la Chine, vous verrez, mais du monde. Nous attendons votre opinion lors de l'apéritif. Nous sommes prêts à tout entendre, sans hypocrisie. Il y a beaucoup de festivals qui vous flattent. Le FIF aime, lui, vous bousculer, vous émouvoir, vous faire rire aussi, je l'espère, ce soir. Place à la 33e édition, place à How Long Will I Love You, je l'espère toujours. Un grand merci à Thierry Jobin. Wir wollen Sie nicht mehr länger auf die Folter spannen. Jedoch möchten wir uns nochmals ganz herzlich bei allen unseren Partnern für ihre wertvolle Unterstützung bedanken. Un grand merci à tous nos partenaires pour leur précieux soutien et en particulier à la société Crémo SA qui sponsorise cette cérémonie d'ouverture. Mesdames et messieurs, la projection va commencer. Die Filmvorführung wird demnächst beginnen. Nous vous souhaitons un bon film et espérons vous voir nombreuses et nombreux tout à l'heure dans le hall pour l'apéritif, puis au centre du festival à l'ancienne gare. Et n'oubliez surtout pas que ces jours de festival sont là pour découvrir, oser, se faire surprendre, ressentir, s'envoler, échanger et tellement plus encore. Bonne projection, film up!